Alors, saucer au loin là. Je mets le casque et l'embranchement de mon chemin que j'aime bien. Là où les freins faisaient tant de bruit la dernière fois. Bizarre que la rando elle passe pas par là. C'est chouette ça. Un des plus beaux du coin. J'espère qu'il n'y aura pas trop de branches en l'air. Aïe aïe aïe. Oh, ça secoue un peu au départ. Je vais rattacher le casque. C'était super pentu. Voilà, et les fameux rochers taillés là. Aïe 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 aïe. C'est que ça dépasse sacrément l'appareil là-haut. Bon, voilà, c'est plat. Oh, ça secoue la tête, hein. On va faire autrement à cause des branches. Pas envie de tout arracher. Je vais pas s'élaguer un peu. Voilà. Là, ça freine beaucoup mieux que la dernière fois que je suis passé. Le casque, c'est tellement pentu avec le poids, le casque il s'en va. Voilà, je vais remonter en face. Là-bas. Voilà, lui en face, c'était ça. J'arrive. Donc, c'est monté. Tout ça d'en bas. Et là, j'arrive sur la couronne après. Finalement, j'aurai tout traversé. Voilà, j'arrive au sommet donc, avec une vue sur Carreau, la couronne, le lycée de Saussay, le nouveau lycée, Saussay, Carry là-bas, et en face Marseille dans la brume. Et j'étais en galère là-bas au fond. Bon, je vais tomber l'appareil photo du casque, parce que là, il n'y a plus rien de bien intéressant. Vous voyez que ça monte. Bon, ça fait. Puis ça fait du poids quand même. Hein. Faudrait que j'essaye avec la petite que j'ai dans la main. Qui fait les HD aussi. Voilà, là c'est le Samsung, normal. Je l'enlève.